vraiment à cette course, maman. C'est important pour moi. Pour une fois qu'on ne fait pas la distinction entre la catégorie homme et femme. C'est une vraie chance. Si j'ai bien compris, vous n'êtes que deux, c'est bien ça? Oui, on est les deux finalistes. Lui pour les hommes, moi pour les femmes. Tout de même, est-ce bien équitable? Pourquoi? Sans méchanceté, ma chérie, tu sais bien que les hommes sont physiquement plus forts que nous. Ta course, elle est jouée d'avance. C'est clair, je n'avais jamais vu faire cette gueule là. Enfin, si t'avais fermé ta gueule, peut-être qu'on n'aurait pas été là. Le gars, tranquille, c'est bon. Ouais, ouais. Max, arrête tes conneries, tu vois bien que mademoiselle se vexe. Ça prend. Et toi, ta course là, ça s'annonce comment? Tu participes à une course? Ouais, une course régionale là. Ouais. J'espère que je vais être pris pour les finales quoi. Avec ton physique de crevette, t'aurais mieux fait de t'inscrire en natation, t'avais plus de chance. Et vous êtes combien là à courir? On est deux. Juste une fille et puis moi. Sérieux? Bah ouais. Faut que tu assures, hein. Ouais. Tu tiens entre tes mains l'honneur des hommes, là. Grave, mec. Sois pas un faible. Pulvérise-la. Enfin, voilà, la course arrive bientôt et je commence un peu à flipper. T'inquiète. Faut juste que tu te concentres sur ce que t'as à faire. Tu te rappelles à l'époque où je courais? Ouais. Eh ben, mon mec me dit, tu tiendras jamais la distance. Et tu sais ce que je lui réponds? Non. Bah comme ça, on sera deux. Ah, arrête, tu lui as pas dit ça. Bah si. C'est un peu cash. Oh, ça va. Faut leur montrer qui c'est les patronnes. C'est la guerre des sexes maintenant, hein. C'est chacun pour soi. Yo. Qu'est-ce que tu foutais? J'étais à l'entraînement. Encore? Tu passes ta vie? Bah, c'est important pour moi. Et t'as trouvé un taf pour cet été? Pas encore, je cherche. Et la fac? Bof. Je galère un peu, quoi. Elle a intérêt d'assurer ta meuf, toi, putain, parce que... Ouais, là, oui, c'est ça. Putain.